Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous montrer un exercice pour diminuer les douleurs du milieu du dos. C'est un exercice qui peut s'effectuer soit avec une chaise collée au mur, soit avec un tabouret, ou même sans chaise ni tabouret en position de la chaise. Une chaise, vous allez vraiment vous mettre le maximum le dos collé au mur. Vous allez insérer une rétroversion du bassin, c'est-à-dire que vraiment j'amène le bassin vers l'arrière. Je vous montre vraiment cette rétroversion du bassin. Surtout pas en T versé pour amener la rétroversion du bassin le plus possible. Donc, rétroversion du bassin, parfait. Épaules bien collées, tête bien collée et vous effectuez un double menton. Un double menton, c'est le fait également de ramener la tête vers l'arrière, comme ça. Une sorte de flexion en ramenant le menton vers l'arrière. Dans cette position, bassin collé, rétroversion, dos collé, on essaie de faire coller le dos au maximum le long du mur. Tête collée, rétroversion, on vient mettre les bras à l'équerre. Sur cet exercice, vous allez pouvoir sentir, ça peut tirer la partie antérieure du thorax ainsi que sur la partie antérieure des épaules. Sur cet exercice, vous allez maintenir bien le dos. Et vous allez chercher avec les mains collées à monter vers le haut. Quand vous sentez que ça tire trop, vous maintenez, vous inspirez. Parfait. Et vous continuez, vous montez les bras. Quand ça devient trop dur, vous tenez, vous maintenez. Alors c'est un exercice qui sont en plusieurs étapes. L'idée c'est d'aller quand on peut après amener les mains vers le haut. Mais de garder tous les éléments collés. Donc, c'est au bout de 6 mois et 8 mois d'entraînement qu'on peut arriver à faire ça. Il faut vraiment maintenir comme ça. Quand vous ne pouvez plus vous stopper, vous vous reposez, vous pouvez boire un petit peu et vous revenez. On recommence sur une 30-40 secondes d'exercice. C'est très bien. On se repositionne. Donc, bassin collé, rétroversion, le dos bien collé, la tête collée avec un double menton, les mains collées. Et on inspire, on souffle. On va gagner sur une inspiration. Et on souffle. Vous tenez 15, 20, 30 secondes, c'est parfait. Et quand vous ne pouvez plus, vous relâchez. Le but de cet exercice, ça va vraiment être de tirer sur la partie antérieure du thorax, de tirer sur la partie antérieure des épaules et de soulager les douleurs du milieu du dos à ce niveau-là. Cet exercice, il est vraiment fait pour les personnes qui sont très cyphosées. La cyphose, c'est le fait d'être un peu arc-bouté comme ça. Si vous vous sentez dans cette position, cet exercice est vraiment fait pour vous. Vous allez pouvoir diminuer la courbure de votre dos avec des exercices d'étirement réguliers. C'est un exercice que vous pouvez compléter avec un renforcement des muscles rhomboïdes. Donc, le renforcement des muscles rhomboïdes, vous avez juste un élastique à prendre que vous fixez à un point fixe. Vous vous mettez avec les coudes à 90. Et avec l'élastique, vous cherchez à ramener les omoplates collées, sans cambrer le dos. Le but, ce n'est pas de faire cet exercice, c'est vraiment de ramener les omoplates collées tout en gardant le dos bien droit. Et vous revenez. On revient et on recommence. Parfait. Le but, c'est de renforcer les muscles qui se situent entre l'omoplate et le rachis. Donc, en l'occurrence, les rhomboïdes et les stabilisateurs de l'omoplate pour maintenir le travail de posture. Donc, le but de ces deux exercices, limiter cette position en essayant de ramener dans cette position et de renforcer les muscles de l'arrière pour le maintenir. Voilà, vous avez les meilleurs exercices pour limiter les douleurs du milieu du dos. C'est un exercice que vous pouvez faire quotidiennement à répéter entre 1 et 10 minutes par jour. C'est parfait. Si vous souhaitez des exercices complémentaires, vous pouvez retrouver tous ces exercices sur notre site ostéopathe avec un s.paris. Voilà, n'hésitez pas à prendre soin de votre dos, vous en avez qu'un. À bientôt!